Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Spooking Junker. Oh là là, ça fait peur. C'est un petit jeu indépendant en fait, je vous explique, c'est un jeu qui est connu Farog Game a déjà fait, par exemple, fait, d'autres personnes l'ont déjà fait. Je vérifie bien, ouais voilà, c'était pas comme ça. À 30 FPS s'il vous plaît. Je vérifie bien que le tout est bien resté à 30. Il est resté à 30. Non, parce que si au cas où le machin n'est pas resté à 30, voilà, c'est un peu mieux. Donc en fait, le but de ce jeu, c'est un jeu tout mini. C'est une sorte de jeu avec couloir stricté, avec des petits personnages, des petits jumpscares qui viennent faire peur. Mais c'est tellement mignon que ça fait pas peur. Vous verrez, je vous laisse la surprise, vous allez voir ce que c'est. Petit défaut, c'est que le jeu n'est qu'en anglais. Donc voilà. Donc là, vous avez le personnage du début. Elle s'appelle Spooky. Elle est trop choupie. Elle est comique. Trop cool. Voilà. Nous, on va avancer tout doucement. Donc voilà. Le but dans ce jeu, c'est d'avancer. D'avancer dans les couloirs et nous allons avoir des événements et tout ça. Bien sûr, ici, pour le début de la vidéo, nous allons jusqu'à la salle 50. Donc la room 50, pourquoi? Parce que c'est là qu'on peut sauvegarder uniquement, c'est tous les 50 salles. Puis à un moment, apparemment, après plus tard, c'est tous les 100 salles. Voilà, vous avez un exemple, regardez comme il est tout mignon. Et du coup, c'est ça qui apparaît à chaque fois que de temps à autre. Et ça peut arriver qu'il y a des junkers très moches qui fait peur. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, même des événements avec des monstres qui vous attaquent. Ouais. Au début, ça va, c'est un peu tranquille. Mais après, ça empire, etc., etc. C'est un jeu que j'ai toujours voulu faire une vidéo dessus, mais vu que... Oh mon Dieu, regardez la différence! Nous avons foutu des barrières. Voilà. Voilà, c'est fini. Hihi. Donc en fait le truc c'est que j'avais déjà commencé à faire des vidéos sur Baldi Basic mais ça ramait à mort. Donc je me suis dit bah, ce jeu ça doit être pareil. Donc du coup j'avais pas envie du coup de faire de vidéos sur celui-ci. Mais après plus tard je me suis dit ouais mais peut-être que c'est Baldi Basic qui a un problème. Ah bah ouais apparemment c'est bien Baldi Basic qui a un souci. Après peut-être que c'est aussi parce que j'étais en mode fenêtré, ça c'est vrai. Maintenant je suis en mode jeu, donc c'est peut-être différent. C'est possible aussi. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Du coup, ça me permet de faire des jeux sympas. Ce jeu-là est très beau, je trouve, personnellement. Chichi. Alors, vous êtes sûr que ce genre de salle-là, vous n'aurez jamais aucun junker? Pourquoi? Parce que sinon, vous êtes bloqué, vous ne savez pas passer. Donc, du coup, c'est un peu bête de bloquer le joueur. Ça doit être un couloir comme ça pour qu'il y ait des junkers, sinon, c'est pas possible. Il n'y a pas moyen qu'il y en ait parce qu'il faut qu'on puisse passer. Donc, du coup, voilà. Petite astuce. Donc, comme vous voyez, c'est à peu près toujours la même chose, hein, presque. S'il y a des scènes un peu différentes, mais c'est un peu le même principe, hein, c'est toujours... Voilà. Oh, qu'il est mignon. Qu'il est trop choupi. Voilà. Donc là, vous avez une feuille, mais moi, je ne vais pas la lire parce que je m'en fous. Comme j'ai dit, l'histoire, je ne la fais pas, moi je fais juste le jeu. Je la connais puisque j'ai suivi Farod dans Let's Play pour Junker. Donc moi je fais de mon côté pour voir si je sais faire, si je sais aller jusqu'au bout comme lui, etc. C'est juste pour le plaisir d'aller voir jusqu'où moi je suis capable d'aller. Mais c'est vrai que ici comme il se fait assez tard, on est à 20... Enfin, je dois aller manger par la suite, je vais aller manger tout ça. Je verrai peut-être tantôt de refaire une autre vidéo avec en allant que sans salle et tout ça. Donc j'ai prévu en fait de pas aller trop loin justement pour pouvoir quitter à ce moment-là du jeu ayant sauvegardé. Parce que sinon bah, il n'y aura pas de sauvegarde et du coup c'est un peu ballot. Donc du coup j'ai décidé d'aller jusqu'à la 50e salle. Et à la 50e salle on arrêtera. C'est pour vous donner un petit aperçu du jeu qu'on va faire ensemble.
Enfin, du coup, je suis tout seul, hein, quand même. Mais voilà, c'est à peu près ça. Et du coup, les trucs de texte, on s'en fout, on les lit pas. Au pire, allez télécharger vous-même le jeu dans la description. Il y sera normalement si j'ai pas perdu le lien. Et du coup, en fait, vous pourrez faire vous-même votre propre propre test vous-même, en fait. Je vais même au pire pas me casser la tête. S'il faut, je vous passerai un lien intermédiaire pour que vous puissiez, vous puissiez. Voilà, ça c'est ce genre de monstre-là qui pourrait faire éventuellement peur en fait. C'est ouf, hein. J'ai eu très très peur en moi, je vous l'assure. Non, je déconne. En fait, moi ça marche pas ces trucs-là. Mais bon. Et pourtant, j'ai ce qu'il faut. Bon. Ah, on arrive bientôt à la fin, tiens. Et voilà, bon, on arrive à la fin. Donc j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Donc on va sauvegarder. Hop, save game. Et donc j'espère que ça vous a plu. Et la prochaine fois, on va appuyer sur ce bouton-là. Et ça nous fera descendre. Ici, je ne vais pas le faire, bien sûr, puisque comme je vous ai dit, je vais quitter. Nous allons faire je ferai d'autres vidéos. La prochaine vidéo, on ira plus loin, on ira plus longtemps, on ira peut-être à 150 ou 200 salles, promis. Enfin, promis, on verra si j'ai le temps aussi. Donc, je vais pas forcément. Je vais essayer, en tout cas, normalement, ça devrait aller. Et du coup, voilà, bah, c'est tout, hein. Je pense que vous avez compris le principe du jeu. Et c'est vraiment un jeu vraiment très simple parce que j'ai quand même un mauvais PC. Il faut juste pas oublier de mettre en 30 FPS pour être au plus bas, pour vraiment avoir une bonne fluidité. Et sinon, ça va. Donc, je vous dis à bientôt. C'était Mister Wouhou. Portez-vous bien. Bye bye.